Bonjour à vous, mes petits requins. Aujourd'hui, c'est Trailer Réaction et on va réagir à la bande-annonce d'un film de requins assez particulier. Et si des requins entraient dans le MCU et empruntaient des particules PIM de Ant-Man pour rentrer dans votre corps et plus exactement dans votre sang? On va réagir aujourd'hui à la bande-annonce de Nano Shark. Oui, ça existe. Alors ce projet, du moins, il y avait une affiche originale qui était sortie il y a pas mal de temps, et justement, ils en ont fait une nouvelle, et la bande-annonce a été dévoilée il y a 2 mois ou 1 mois, peut-être 2 mois. Et donc du coup, ouais, j'en ai parlé en vidéo Shark News. Je le rappelle encore une fois, j'enchaîne plein de vidéos, trailer réaction, parce que justement, j'étais occupé à faire d'autres styles de vidéos. Donc du coup, je balance tout. Voilà, il y en aura au moins une dizaine quasi d'affilée, hein, de trailer réaction. Et il y avait 1 milliard de films de requins qui avaient été annoncés. Et donc du coup, bah là, je suis un peu à la ramasse et je balance tout. Voilà, je préfère le rappeler. Allez, donc sans plus tarder, on va regarder Nano Shark. C'est parti. The country SRS. is offering thoughts and prayers for the son of the prime minister. To save the life of small, j'ai pas le temps de lire. They're going to need la fameuse pupette. A smaller boat. Oh non. Donc il y a des gens miniatures dans un sous-marin miniature, dans le sang des gens. All right, you microscopic son of a bitch. You're mine. Incrustation fond vert dégueulasse. Nano Shark. Excellent. That will look great in the trailer. In the what now? Ah, ils ont joué le côté un peu méta, mais putain, à la fin. D'accord, bah c'était court. C'était court et du coup, que dire? Que dire de ce truc? En fait, à chaque fois, j'essaie de durer un petit peu la vidéo parce que je sais pas trop quoi dire finalement. C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Ça n'a aucun sens. Il y a toujours les mêmes pupettes qu'on retrouve dans les films éclatés au sol. Je sais plus qui fait ça. Je sais plus si c'est Brett Kelly qui a fait Jurassic Shark et Raiders of the Lost Sharks. C'est pas grave, je m'en rappelle pas. Mais bref, comme d'habitude, hein, c'est les mêmes pupettes qu'on recycle à chaque fois. C'est un film éclaté au sol, genre vraiment pourri pourri, hein, ouais, la majorité des films qui ont été annoncés, là, de films de requins, comme j'ai dit, ce sont des films éclatés au sol. Il y en a pas mal, hein, qui sont sortis, qui ont été annoncés. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi il y en a 1 milliard qui ont été annoncés en à peine 1 mois, même pas une semaine. Clairement, j'en ai aucune putain d'idée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours sur cette bonne annonce. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!